dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent, quand vivaient les corsaires. Il s'en allait, le cœur léger, il s'enivrait d'aventure. Dans le temps, il chantait sur la mer, voile au vent, il vivait les corsaires. Au jour le jour, mais pour l'amour, il n'avait que la mer, les corsaires. Plus fort qu'on puisse vous entendre jusqu'à la cuisine. Encore un peu. En l'honneur des cailles aux raisins cuites dans une sauce qui donne envie de se rouler dedans, à la reine des cieux. À la reine des cieux. Ma petite allocution. Nous sommes réunis en ce soir de Liesse pour fêter celui qui est votre ami et mon élève favori, Nicolas de Paray de Courcic. Ainsi donc, cher Nicolas, l'honneur vous est soit de devenir capitaine de vaisseau alors que vous n'avez que 24 ans. Et vive Nicolas! Ah, tu peux dire qu'on t'a offert un beau festin. On peut pas rêver mieux. Et à la hauteur de l'événement, je crois. Pour Nicolas, Notre-Dame! Notre-Dame! Déclare! Halte! Hé, camarade! Cette rue tangue plus que le pont une felouque. Tenez-le bien, il n'arrivera jamais chez lui. Ah, t'inquiète pas, je le tiens par les amarres. Allez, bonne nuit. Vous salue. Tu sais que tu es tout rouge, toi. Ah, je ferais bien de t'emmener chez le barbier. Oui, pour qu'il te saigne. Oh, pas question, avec mon sang, je perdrai mon Bourgogne. Oh. Je le tiens. Ah, il a rien sur lui. Vite, dans le tonneau. Allons, tout de suite, dans le tonneau. Allez, allez. Pas de place pour moi? Excusez-moi d'être en retard, mais j'étais occupé ailleurs. Hein, fiche-moi la paix, j'ai que 3 écus sur moi. 3 écus? 3 écus et quelques sols. Alors tu vois, le jeu ne vaut pas la chandelle. Eh bien, mettez ça avec le reste, histoire d'intéresser la partie. Méfie-toi, François, il est fort. C'est pour ça que vous le mettez à tremper? Qu'est-ce que vous croyez qu'il reste à ramollir chez ce veau? Ménage ton souffle. Ça n'y comptait pas. C'est une habitude de professeur. J'avais une salle d'armes à Libourne. Tenez, voilà ce qu'on apprenait chez moi en première année. Bon. Seconde année. Approche. Le tonneau! Non! Ma botte secrète. Excusez-moi, personne jusqu'à présent n'y a réchappé. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Il ne m'a même pas touché. Comment? Vous n'avez pas mon épée en plein dans le corps? Ton épée? Tiens, regarde où elle est. À moi maintenant. Attrape!
Allez, allez, oh. Allez. On se massacre? Chassez-moi, Sudro, je suis en train de corriger des voleurs. Bravo, monsieur de Courcic. Chassez-moi toute cette canaille qui infeste les parages. Là, si vous permettez. Ça ira plus vite. Va te faire pendre ailleurs.